Salut, quatrième الأسبوع التاسع للوظيفة science cinquième primaire. Complétez ce qui suit. Les particules de matière sont très proches les unes des autres dans la matière. جزيئات المادة بتكون قريبة جدا في حالة المادة solide صلبة. De écrivez le terme scientifique. La quantité d'espace occupé par un corps, كمية المساحة اللي بيستغلها أو بيحتلها الجسم هي تعريف الفوليوم. Comparer entre les états solides et liquides en termes d'arrangement des particules et de la force de liaison entre elles. يعني عايز مقارنة بين السوليد والليكيد في حالة الجزيئات والترابط ما بينها. هنا هقول سوليد اللي هي les espaces sont très petits et les particules sont très proches. أما في الليكيد les espaces sont plus grands et ceux entre eux. يبقى les espaces sont très petits et les particules sont très proches. ده في حالة السوليد يعني جزيئات مترابطة جدا مساحات قليلة جدا، عكس شوية الليكيد أعلى شوية أو المساحة أكبر شوية من السوليد. Que se passe-t-il si vous mettez une bouteille d'eau au congélateur? إيه اللي هيحصل لو حطيت إزازة مية في الفريزر وهتتحول طبعا لجلاس بتاع سوليد ده. Se transforme en matière solide glace. Mentionnez le type de chacune des matières suivantes. Huile, livre, pomme, vapeur d'eau. بالترتيب هيكونوا ليكيد، سوليد، سوليد، غازو. Test 2. Complétez. Les particules de matière sont très proches les unes des autres dans la matière. لسه كنا بنقولها إنها solide. Numéro 2. Créez le terme scientifique. Une matière dont les particules ne sont pas interconnectées et se déplacent complètement librement. المادة اللي بتتحرك فيها الجزيئات بحرية تامة هي غازو. Comparer entre les états liquides et gazeux en termes d'arrangement et particules de la force de liaison entre elles. هنا عايز الكومباريزون ما بين الإتات ليكيد et غازو. لو هنتكلم عن الليكيد فلسه كنا بنقولها فوق les espaces sont plus grands entre que ceux de entre les solides mais les espaces dans matière gazeuse. يبقى احنا عندنا ليكيد plus grand que solide لكن الواسع جدا très loin interconnecté très grand هو الغازو الترابط بينهم واسع جدا. Que se passe-t-il si vous exposez un morceau de glace au soleil pendant longtemps? لو حطيت قطعة غلاس تلج في الشمس لمدة طويلة to transform en matière liquide eau. Mentionnez le type de chacune des matières suivantes. Moule l'état. Table, jus de citron, règle, hélium. وبترتيبهم هيكون solid, liquid, solid, gazeux. Test 3, complétez ce qui suit. Tout ce qui a une masse et occupe un espace est appelé. كل ما له حجم ويشغل حيز الفراغ ده تعريف la matière. Suivez le terme scientifique. Les petites unités qui composent la matière, الجزيئات الصغيرة اللي بتكون المادة, les particules, الجزيئات. Comparer entre les états solides et gazeux en termes d'arrangement et des particules et de la force de liaison entre elles, ودي جاوبناها في test 1 و test 2. Que se passe-t-il si vous exposez un peu d'eau au soleil pendant longtemps, لو حطيت شوية مية الشمس لمدة طويلة, se transforme en matière gazeuse. هتتحول لمادة أو لبخار. Mentionnez le type de chacune des matières suivantes, arbre, vinaigre, lait, oxygène, solide, liquide, liquide, gazeux. Déterminé, bon chance et autres.